Il est mignon le grizzly. Il est mignon le grizzly. Il est beau le grizzly. Oui. Oui, c'est toi le plus beau des grizzlies. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi le plus beau des grizzlies. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Désolé, faut que j'y aille. Ah, il y a des cochons. Yes, you did. You're a dirty dog. What's she doing in town? Something for Isaac. It's gotta be a woman job. Et donc, bonjour YouTube, oui. Ask her about the Kumulus camp. Well, I guess you get to stay away from the combat. Yeah, if that's what you're into. I'd be happy staying put, I think. Just treating families. Hey, Abby. Fucking up scars. Salut. I don't think so. I'd go crazy. Merci, quel gentleman, ce trou du cul. Can I have my usual? You got it. Gracias. Which trucks are in? Take S24. I'm driving. Sign us out. Mateo. Thanks. May your survival be long. May your death be swift. Pendejo. I could use a warm. Je m'en bats les couilles, poteau. Alors. Oh. Alice. Tu es belle. Alice gets shotgun. Mel's pregnant. She could use the fresh air. Give you two a chance to talk. Qu'est-ce que tu fous là, Mel, hein? Qu'est-ce que tu fous là? C'est ça la question que je me pose. Putain! Moi je t'aurais attaché tout ça au lit avec des sangles en cuir. Non. Do you want me to get you something from the pharmacy? Nah, I'm good. Non, ça va, t'inquiète. It's not a big deal. No, it's fine. I'm just gonna wear myself out. I've been picking up a few extra assignments. You and the one. What do you mean? Nothing. Jamais je l'aurais laissé sortir, cette meuf. Jamais. Survival be long, and your dead be sweet. Nobody wants to hatchery. Ça me rend ouf. Any plan on getting it back? Nah, Isaac says it's low priority. We're fishing up wild salmon right now. What did you mean about me and Owen? I haven't seen him in like 2 weeks. Keeps picking up open assignments. Has he talked to you? Did he say anything? Or... No, we're still not. I mean, I seen him in the mess hall, but. Bah, à part que t'es enceinte, il m'a pas dit grand chose, hein. Tu sais, juste avant qu'on casse la gueule à un mec. I wouldn't read too much into it. Ouais. Oh, shit! Amos! Ah fuck! C'est ces enfoirés! Alors non merci, vous allez prendre un forfait d'essai, messieurs dames. À la droite, à droite. Ah mais allez vous faire cuire. C'était quoi ça, mamie?
Toi non plus. Enfin si, moi je vais carrément partir. Au. Oh merde. Grimpe bébé, grimpe. Voilà. Let's make sure this place is secure. J'ai pas déjà oublié comment allumer une torche le jeu. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Ça sert à quoi de venir là ? Wesh ? J'avoue que je comprends pas là. Je peux pas grimper là-dessus. Parce qu'il me dit il y a de quoi fabriquer des trucs, mais il serait où? Parce que là, je vois que je peux aller par là, mais je vois pas comment. Oh, fais chier. Ah, c'est ça, ok. J'ai carrément pas assez. Tu te fous de ma gueule, Manny. Tu te fous complètement de ma gueule. Ou alors j'ai raté des trucs. Ah, là, je peux, ok. Tuyau explosif. Rebondit à l'impact et explose après un faible délai. Ok. Admettons. Bah ok, je garde ça en tête. Et ressources, c'est pour fabriquer deux bombes. Ok. Il n'y a rien là-dedans, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'adore les bruits du verre qui se casse. C'est mon petit côté maniaque, ça. Oh!
J'avais pas vu qu'il y avait une porte là. C'est très utile ce que je viens de faire là. Ben tiens. Oui, je sais, faut grimper là-haut. See the light coming through? Could be a way out. I'll climb up there and check it out. Une fois que j'aurai fini de fouiller, évidemment. À quel point j'ai fait le tour là, je comprends pas trop. Ah, les trucs des portes, c'est là, ok, ça je prends, merci. Tu es belle, Alice. Bon. Attends, comment? Here we go. Comment? Comment? Exactement comme je l'avais prévu. C'est bon, ça va, t'inquiète. Ça va, je gère. Oui, merde. Oui, Alice. Oui, Alice, je t'aime. Oh merde! Je l'ai vu trop tard, le cœur de mes couilles. Ça va être difficile, tu t'en sors. Wow. Merci Nel. Non, moi ça va. Fuck this place. Yes. Fuck this place. Get out of here. En vrai, tu l'as déjà dit en posant ma question, mais c'est ça qui est drôle, je suppose.
C'est bon, vous suivez les loulous? Ramasse. Merci. Je crois que je reviens en arrière là. Oui, je suis déjà passé par là. Déjà vous. Tiens, aide-moi à pousser, pendejo. Another month and I wouldn't fit through here. Go ahead, Apps. You said ladies first. I like it. Okay. Abby, this reminds me of your dad's greenhouse. Aww. You shouldn't. All these plants are alive. Good point. Ah, j'ai vu deux triangles apparaître, j'ai cru que je pouvais parler aux deux zigotos là, mais en fait non, c'est juste qu'il y avait des trucs que je pouvais ramasser. C'est ça que je croyais, que j'ai cru dire dans la partie d'avant, mais bon, comme il se passe quelques heures entre les deux et que ma mémoire est dégueulasse, je vais le répéter. Ce que je trouve triste, c'est que du peu que je vois d'Abby, je me dis qu'en fait elle est ultra similaire à Ellie en vrai. Et c'est ça le plus dommage dans tout ça. C'est que je suis sûr que si elle s'était rencontrée dans d'autres circonstances, elle aurait pu être genre vraiment amie, quoi. C'est ça qui est triste aussi dans cette histoire. Enfin, tout dans cette histoire est triste, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment le grand classique de antagonistes et protagonistes qui sont en fait clairement. Que voilà, donc c'est vraiment. Vraiment ça qui rajoute du drame. C'est quand l'antagoniste et le protagoniste sont très similaires. Et je sais pas du tout ce que je dois faire ici. Sortir peut-être, je crois. Je crois que c'est juste ça. On dirait qu'il y a une espèce de porte là. Non, c'est pas une porte, ça, je suis con. Là-haut peut-être, ouais. Hop. Ah, tu grimpes toi derrière avec ton gros bide. Pour l'instant. Aussi ça, ce qu'ils appellent les scars, c'est vraiment les. C'est vraiment. Getting nostalgic about the truce. These are your days, huh? Too easy.
C'est les séraphites. Okay, but those kids attacked our guys. What would you do? I don't know, not riddle them with bullets? I'd rather save our people. Ouais, c'est ça le problème là-dedans. Not our fault either. Those deaths are on them. Okay. Dixit, la nana qui voulait flinguer Ellie et Tommy. So well last time. Do you have another idea, maybe? Nope. Just venting. En gros, c'est ça, c'est vraiment un cycle. Ouais, mais toi, t'as flingué telle personne. Mais c'est parce que toi, avant, t'avais flingué telle personne. Oui, mais je me défendais et tout. Oui, mais toi, t'as flingué telle personne. C'est... Something's blocking the door. Maybe there's another way. Allez, Manny, avec tes gros muscles, tu peux pas ouvrir la porte. Manny, see what's up there. On it. Ben, alors, qu'est-ce que tu vois, pendejo? Ouais? Tu peux y faire quelque chose ou pas? Manny? Ah. Okidoki. Well, still no sign of scars. Maybe they gave up. Long way down. Yeah, it is. Ouais, je vais reprendre le câble, je pense que c'est ça l'idée. Ouais. Pourquoi je sens qu'il y aura genre un colosse ici ou un truc, une connerie du genre. J'arrive, j'arrive. J'arrive, coquine, j'arrive. Ici, il n'y a rien. Je fouille avant, ça te gêne pas? J'ai vu un truc qui brille, je pensais que c'était un truc à ramasser. Guys,
Oui, je suis là, je suis là. Yatata. Abby et ses gros bras. Yatata. Okay, come on. Quick. Attention à la tête. Je t'en prie. Je suppose que je peux pas entrer. Ah si. Ah, il doit y avoir des trucs, des goodies. Un établi. Ok, je reviendrai plus tard. Je vais voir s'il n'y a pas un truc en haut. Des trucs en haut. Ah, il me faut du. Ok. Hop, je vais améliorer ma hachette. Hop là. Ah, c'est une affaire qui marche. Voilà, c'est une affaire qui marche. Bon, ah oui, il faut qu'on sorte par là. C'est vrai, j'avais vu là, une espèce de manivelle. Là. Ah bah tu m'étonnes, si elle fait tout comme ça, tu m'étonnes qu'elle soit musclée. Ah, et c'est de traviole, je pense qu'il y a un truc qui le bloque de l'autre côté. Merde. Sorry. You doing okay? Yeah. Crank broke. What now? Abby, look. The hatch. Manny, just hang tight. We're gonna find a way up to the roof. Okay. So, glad you hitched a ride with us. Right. Well, I'm gonna thank Manny for that one. I am glad I'm here with you guys. I hate to hear you got in trouble. I couldn't help. Hey, why have you been avoiding me? I wasn't avoiding you. Come on, you've barely said anything to me since Jackson. I don't know. I guess I was... You don't think Joel deserved what he got? I think he deserved worse. I just wish I could be fine. I get it. What kind of a person could do that, right? I'm not saying that. Let's see if there's a way to the hatch. Grimper là, grimper ici. Oh! J'arrive. T'es où?
Mais elle? Ah, elle est là. What's your idea? One sec. What are you doing? Getting us out of here? Okay, just go slow. One advantage of being pregnant. Low center of gravity. I'll take your word for it. Oh, made it. D'accord, et maintenant? Ah, il m'a ouvert cette porte-là, ok. Thank you. Okay, getting closer to the hatch. Ah, le dépassage d'échelle, ça faisait longtemps. Hop. Excuse-moi, poulette. Hop là. Regardez. Hop, il y a une corde ici. Qu'est-ce qu'on peut en faire? La faire passer par-dessus la poutre là et jouer les Tarzans, c'est ça l'idée? Ok, c'est promising. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je peux reprendre la corde? J'ai peut-être été un peu. J'étais un peu vite en besogne là. Ouais, je vais reprendre l'échelle. La mettre là. Du coup, si je pense que la corde va servir à quelque chose. Nice. Good thinking. We'll see. Non, c'est complètement con. Demi-tour. Attends, rien. Ouh, on peut aller là-dedans. Merci. Ah. Ok, c'était juste pour les goodies. Confection de surin. Ok, donc c'est vrai qu'elle n'a pas de couteau. Donc ça paraissait logique qu'elle prenne des surins. Ah non, cette corde là, non, c'est plus ailleurs qu'il faut la mettre. Ah. Merde, je l'ai lâché du coup. Ah, fait chier. Ah non, attends, c'était là-bas qu'il y avait la. Ah non, crotte, faut que je reprenne l'échelle. L'échelle, oui. Par là peut-être? Non, attends, elle avait dit qu'il y avait une passerelle. Bah là, c'est d'où on vient, donc c'est peut-être ici. Non, on dirait que je peux pas la mettre ailleurs que là. Ah. Ça, ça, ça. Non, je peux la mettre que là, je crois. Ok, donc, une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Mel, tu peux te pousser, s'il te plaît? Bon, bah tant pis, je te traverse, hein. Écoute, j'ai pas de race, hein. Voilà. On part comme ça. Oui. Et maintenant. Excuse-moi. Tu peux te mettre ailleurs, s'il te plaît. Mel. Bouge. Non! Oh putain, j'y crois pas. Ah, ça m'a remis là, ok. Bon. Ah, ben voilà, il suffisait de sauter comme ça. Long way down. Vertigo hitting you hard?
Ah, elle a le vertige. C'est rigolo ça comme détail. There they are. Manny, be right down. Okay. Look, Bob's sweet Bob. Almost there. Bet we can cut through that rail yard. You want to get off the roof first? Please. C'est vrai que ce serait pas mal comme idée de départ. Not as fearless as you think. I could never do the surgery stuff you do. Be too freaked out about fucking it up. You think I don't feel the same way? Ah, for what it's worth, my dad always said you were his best student. He always said he was an idiot. Come on. About time you two got up. Been quiet out here? Yeah. Ouais, c'est suspect. We're almost to the fob. And when we get back home, I'm gonna find a couch, watch a movie, and drink until we pass out. Oh yeah? Which drink? Which movie? Strong questions. Movie's the one with ¿cómo se llama? The girl who rides the wolf. Oh, I love that one. And drink. My mezcal from the party last week. Excuse me? You mean our mezcal? Same. I'll save something. Oh, I could definitely go for a drink right now. If I wasn't so pregnant. And I'll run. Est-ce qu'il y a un moyen? Ouais, il y a une entrée là. Yeah. Putain, attends, j'ai pas une brique. Oui. C'est avec toi que j'ai appris à faire ça en plus. Ah, une note. Alors, Marthe. Maintenant que la trêve est finie, c'est trop risqué de se voir ici. La zone va grouiller de scars. J'ai déjà remballé toutes les affaires, mais je laisse les armes en sécurité ici au cas où je n'aurai pas besoin d'arrivant. Je me suis dit que les scars n'y toucheraient pas vu que le coffre fait très ancien monde, bande de tarés. A bientôt, sois prudent, Paul. Le code est toujours le numéro gagnant. Ah, il y a un coffre. Ok, il y a un coffre. Il faut que je trouve la combinaison du coffre. Ah, une nouvelle pièce. Indiana 1816. Ah. Donc, il y a un coffre. Yuki, il est le coffre. Numéro gagnant. Bah, Yuki est le coffre. Ah, j'ai eu un trophée. Yuki est le coffre. Yuki est le coffre. There might be a gun cache around here. I like the sound of that. Ouais, moi aussi. Numéro gagnant, qu'est-ce que ça peut être? Alors ils ont l'air de vouloir aller par là-bas, donc je vais fouiller encore un peu par ici. Fouille. Au pays des merveilles. Bravo, Abby. Je sentais groseille. Oula. Ah, j'ai cru qu'il y avait peut-être un moyen de monter là, mais non. Dans cette baraque là, il y a quoi? Je peux y aller ou pas? J'ai pas l'impression. Ah, une brique chouette, si j'ai besoin de casser d'autres vitres. Notre numéro gagnant. Il faut que je trouve ça, en fait. Mais bon, vu l'heure qu'il est, je pense que ce sera pour le prochain épisode. Je vais encore fouiller un peu. Annie? Ah non, c'est Mel qui est là. Elle veut remonter, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites, les filles? Ah. Bon, perso, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Par contre, j'aimerais bien entrer là. Ce serait bien que j'entre là.
Mais c'est fermé. Ouais, c'est verrouillé. Il y a peut-être une autre entrée. Manitella. Manitella. Ah! Hop, j'ouvre ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Le coffre est ici. Et donc, la combinaison peut se cacher où? Notre numéro gagnant. C'est peut-être un truc qui est marqué là-dedans. Ah! 08-15-2012. Non, c'est pas ça. Non, franchement, non. Je vais essayer de... De l'autre côté, c'est le seul truc que j'ai trouvé avec des chiffres dessus. Voilà, je pète des vitres pour la peine. Ah! 17-38-07 pour le loto. Je pense que c'est plutôt ça. 17-38-07. Oh! I like all of this. Pistolet de chasse. Avec une seule balle dedans. Double. Bon, bah sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. La suite très bientôt.